Mes amis Verseau, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de septembre 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales, ce qui est prévu pour votre signe. Verseau en signe solaire, ascendant et lunaire du zodiaque, vous êtes concerné par ce tirage qui, je le rappelle, reste quand même général et ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous et vous seul, vous personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous cette vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On y va, Verseau, pour septembre 2022. Voyons voir ce qui vous attend au tournant. C'est parti. Allez, on y va, Verseau. Mois de septembre 2022. Énergie générale pour les Verseaux. En signe solaire. Ascendant lunaire du zodiaque pour septembre 2022. Verseau en signe solaire. Ascendant lunaire du zodiaque, on y va. On va reculer un peu. Ok, alors on réorganise un peu tout ça. Hop. Voilà ce que nous avons. Allez, on y va pour la lecture de tirage. Alors ici, on a du mal visiblement par rapport à un changement de cap. Il y a cette idée de j'ai envie de me réorienter, j'ai envie de changer peut-être de direction, ça peut être changer de travail, changer carrément même de voie professionnelle, ça peut toucher le travail, ça peut toucher les amours, ça peut toucher le lieu de vie, le logement, passer d'une maison à un appartement, passer de la ville à la campagne, voilà, je vais pas tout vous faire, mais vous avez compris l'idée, pour le moment c'est très général, on nous parle d'un changement de cap, mais c'est comme si on était arrêté, bloqué, stoppé, par le sacrifice à faire pour y parvenir. Quand je dis le sacrifice à faire, c'est la situation elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes sur ce chemin bleu. Voilà, ça c'est votre situation actuelle, la flèche bleue. Et vous avez envie d'aller à la flèche rouge. D'accord? Le sacrifice dont on parle, bah, c'est cette flèche bleue. Forcément, si vous allez vers cette flèche rouge, vous ne serez plus dans cette flèche bleue, d'accord? Et en fait, c'est l'idée même de ce projet, c'est l'idée même de ce changement qui vous bloque. C'est-à-dire, j'ai envie, mais je suis bloqué dans cette même envie. On ne parle pas ici, pour moi, de sacrifices environnants autour. Par exemple, dans le cadre d'un déménagement, on pourrait comprendre que, ok, vous partez, vous laissez derrière vous famille, amis, peut-être, voilà. Là, c'est pas le cas. Là, c'est simplement le fait de partir. C'est la situation elle-même qui vous bloque, mais en même temps qui vous motive et qui est le moteur de votre volonté. C'est-à-dire que là, on a vraiment une contradiction qui est assez importante, d'accord? On nous dit que jusqu'à présent, vous avez été bloqué dans ce cheminement-là. Je veux, mais je ne parviens pas à aller concrétiser mon envie. Très clairement. Là, durant septembre, il semblerait ici qu'il y ait un aboutissement quand même. On a les joies, les festivités, la concrétisation, l'aboutissement d'un projet, une concrétisation avec à la clé une signature de contrat. Soit une signature de contrat en réel, soit c'est symbolique, d'accord? L'engagement au sens symbolique de nouvelles responsabilités, un nouveau cap qui est défini, d'accord? Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de vous-même. Vu que vous n'arrivez pas à passer ce cap, vous vous dites, voilà, maintenant je persiste et signe, ça sera comme ça et pas autrement. Peut-être que vous vous forcez la main un petit peu pour certaines.
On a l'automne ici, voilà, mois de septembre, on est en automne à partir du 21 septembre, je le rappelle. Voilà, il est question pour moi, durant ce début septembre, de réussir à franchir un cap que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à franchir. Il y a une envie de changer de direction, mais on est bloqué dans cette envie. On n'arrive pas à concrétiser cette envie. Alors quand je dis on n'arrive pas, pour moi, ça n'a rien à voir par exemple avec des moyens financiers qui ne sont pas suffisants, ça n'a rien à voir avec des obstacles extérieurs, c'est vous et votre tête, d'accord? On voit que là, vous attendez quelque chose, vous avez attendu quelque chose, d'accord? Et ce que vous avez attendu, on le comprend ici. C'est véritablement qu'une situation vraiment touche à sa fin. C'est comme si je vous disais, voilà, je suis avec quelqu'un, j'ai envie de me séparer de cette personne, mais je vais attendre d'être dégoûté au maximum de lui ou d'elle pour pouvoir partir et n'avoir d'autre choix que de partir. Ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous savez que vous devez quitter une situation, mais vu que vous n'arrivez pas à le faire, vous allez attendre que la situation pourrisse, qu'elle vous pourrisse la vie, que vous vous sentez vraiment mal, jusqu'à ne plus en pouvoir et ne plus avoir d'autre choix que de vous dire maintenant il faut que j'y aille. En fait, c'est pour vous rendre service que vous faites ça. C'est aussi pour peut-être ne pas culpabiliser si jamais vous vous trompez. C'est peut-être pour ne plus avoir peur parce qu'on arrive à un stade, à un moment où en fait on en a tellement ras-le-bol d'une situation bah, qu'on a envie d'en changer et on se dit ah mais de toute façon j'ai même plus peur de ce qui m'attend. Limite je suis content. Tout ce qui m'importe c'est de quitter là où je suis pour aller vers quelque chose de neuf. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans cette dans ce trip-là. Bon, on continue. On nous parle autour de vous d'une femme qui hésite énormément et qui se pose beaucoup de questions hein, intérieurement. Cette femme garde toutes ses émotions, tous ses ressentis en elle. Cette femme, dans certains cas, et si cela vous parle ainsi, native du Verseau, cette femme peut être le reflet de votre propre énergie. D'accord? Ça peut être vous, femme Verseau, ou une femme autour de vous, si cela vous parle ainsi. On a quelqu'un qui ne parle pas, on a quelqu'un qui limite souffre en silence et qui étouffe intérieurement. Ce qui bouffe cette personne de l'intérieur, c'est le doute. C'est-à-dire le doute est tellement grand ici que cette personne est complètement figée. Regardez, elle ne passe pas à l'action à cause du doute. D'accord? Et on voit que durant ce mois de septembre, on a la disparition totale de cet étouffement. Alors ça peut être début septembre, mi-septembre, fin septembre, peut-être même, ça peut même déborder sur octobre, novembre pour certains, certaines. Je rappelle que le temps est fluide, ok? On a septembre comme point de départ, comme repère, mais voilà. Toutes les guidances, il faut le savoir, sont intemporelles dans le fond. Donc là, on essaie de lutter contre un doute, contre la capacité, l'incapacité que l'on a pour le moment de se positionner. Je veux, mais je ne veux pas. Voyez? Il y a cette idée de lutte. Et là, il va y avoir une forme de cassure, de rupture. Le verre qui se casse, c'est quelque chose aussi qui peut être de l'ordre d'un déclic, d'une prise de conscience où on va se dire, bon, maintenant, ça suffit, maintenant, stop. Maintenant, ce doute, j'y mets fin. Maintenant, ça suffit. Ou alors, peut-être une prise de conscience où on se dit, ah, mais en fait, j'hésitais entre A et B pendant tout ce temps, mais en fait, c'est A que je dois choisir, bien sûr que je vais choisir A, vous voyez? Donc là, oui, on a concrétisation à condition de casser avec avec ce doute. Et c'est ce qui va se passer durant septembre. OK? Parce que là, c'est comme si, en fait, on essayait absolument de faire le choix parfait. Pourquoi je dis ça? Ici, on a la carte des outils. Les outils, c'est quoi? C'est pour réparer, c'est pour bricoler, c'est pour arranger, c'est pour peaufiner, c'est pour réparer quelque chose. Et là, bah, c'est comme si vous essayiez de réparer cette indécision pour faire le meilleur choix possible, pour ne pas vous tromper, comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Et là, vous allez vous dire, bon, maintenant, stop. Je stoppe avec cette façon de faire. Je stoppe avec cette façon d'être trop exigeant ou exigeante avec moi-même. Je stoppe avec ce perfectionnisme incessant qui, au final, me bloque. Je me dis quoi? Une toute nouvelle façon de penser, bah, je prends un chemin. Si c'est le bon, tant mieux. Si c'est pas le bon, bah, c'est pas la fin du monde. Je changerai et je procède ainsi par élimination. Et je sais, par exemple, que si je prends la flèche bleue et qu'elle ne me convient pas, ben, plus tard, par la suite, dans le futur, je ne prendrai plus ce chemin bleu. Ok?
Il y a cette idée aussi. Alors, c'est très très intéressant ce tirage. On nous parle aussi d'une volonté de réparer quelque chose qui est déjà cassé, symboliquement. C'est-à-dire que là, vous hésitez entre maintenir une situation dont vous savez pertinemment qu'elle n'est pas viable, vu qu'il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, mais auquel vous vous accrochez et persistez à vous accrocher, ami Verseau. On vous dit que cette chose n'est pas faite pour vous. Vous essayez de réparer quelque chose qui est cassé. D'où ce doute? Vous dites, ok, alors je prends un exemple pour que vous compreniez mieux. Supposons que j'ai envie de déménager. Ok. J'ai envie de déménager, j'ai envie d'aller sur Paris. Ok. Je me dis, bon, j'ai très très envie d'aller sur Paris parce que j'aime pas là où je vis, j'en ai marre, j'étouffe, je suis pas bien, etc. Et ben il y a une pensée qui va me dire en gros ouais mais peut-être que si je me faisais de nouveaux amis à Paris ça irait, ou peut-être que si je changeais pas à Paris pardon dans mon lieu actuel ça irait, si je me changeais de travail ça irait, peut-être que je peux réussir à arranger mon quotidien ici, alors que vous savez que vous ne voulez plus vivre ici. C'est même pas une question d'arranger ça, ça ou ça pour rendre le quotidien plus agréable. Vous ne voulez plus être là. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez dans un recul en permanence d'échéance. On recule l'échéance, on fait tout pour la reculer. On se trouve des excuses. On essaie de se dire, voilà, je pourrais peut-être réussir à m'y faire, à me contenter finalement de ça. C'est pas si mal cette situation. Eh ben, si, c'est mal. C'est mal parce qu'elle ne vous convient pas dans le fond. Et ici, vous êtes dans le déni, ami Verseau. C'est pareil qu'ici, on a des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. D'accord? Ces feuilles sont mortes. Elles tombent de l'arbre, mais elles étaient déjà mortes avant. Il y a cette idée de peut-être de vouloir conserver à tout prix quelque chose dont vous savez que vous ne voulez plus en réalité. Encore une fois, c'est la peur qui vous fait agir comme ça. Vous essayez de vous convaincre que voilà, ah tiens, cette situation, bah peut-être que finalement ça peut-être que si je vois les choses sous un autre angle, ça peut le faire. Non, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. C'est tout, changez de cap, ok? Parce que là, c'est ça qui bloque en fait. C'est le fait de se dire, il y a un pas en avant, quatre pas en arrière. Donc à chaque fois, vous revenez en fait dans votre situation initiale en essayant de la changer, mais vous savez très bien qu'elle est inchangeable. Inchangeable parce que au fond de vous, votre corps, votre âme ne veut plus de cette situation, quelle qu'elle soit. On continue. Ok, il y avait un blocage qui n'est plus blocage. Le soleil vient faire fondre cette neige ici. La neige, c'est tout ce qui est figé, gelé, congelé, donc tout ce qui est blocage. Le soleil vient faire fondre cette neige, donc il n'y a plus de blocage. Ici, on a un nouveau départ avec une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle route que l'on emprunte. Ok? On a également le printemps comme marqueur temporel ici, donc peut-être que cette idée a émergé chez vous dans votre esprit ami Verseau au printemps qui est passé, ou peut-être fait-on allusion ici au printemps prochain, période d'ailleurs très éloignée, mais je pense qu'on fait plus allusion au printemps qui est passé, d'accord? Nouveau départ aussi avec cette carte, hein. On voit les bourgeons qui sortent des branches. Ici, la peur retrouve son équilibre pour vous, femme Verseau, c'est de vous dont il s'agit. Si vous êtes un homme qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau sentimental, hein, qui est représentée sur cette carte. On nous parle d'un déclic par rapport à une peur qui se régule totalement. Ce déclic, maintenant on va le faire en ligne, ce déclic est lié à la fin d'un blocage, on met fin, on casse, on rompt, on stoppe un blocage pour une concrétisation suite à un déclic intérieur. Il y a un déblocage qui va s'opérer en vous et qui va vous permettre d'aller vers la concrétisation de ce souhait, quel qu'il soit. La lumière revient, l'abondance revient. Pourquoi? Bah parce que vous faites l'effort de choisir une direction. On dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Tiens, c'est peut-être comme ça que je vais intituler le tirage. Ouais, c'est pas mal ça. Vous faites l'effort de choisir une direction. Donc l'univers vous le rend. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix que l'on prend et que l'on rend bon ou mauvais. De par son implication, sa motivation et le fait d'y croire. C'est la loi d'attraction. On continue. Ici, on est stoppé, on a été stoppé à cause d'une période de doute qui va totalement se rééquilibrer et on prend une direction. La peur n'est plus peur chez une femme,
On voit ici un nouveau départ, mais à condition de purger. Ici, on a une forme de purge où on se débarrasse d'émotions très négatives qu'on a en soi, émotions liées au doute, d'accord, qui mènent à l'inactivité, ce doute. On se débarrasse de cet émotionnel, donc le doute, on s'en débarrasse aussi, on fait d'une pierre deux coups. Et là, on a ce nouveau départ. Je n'ai rien à ajouter pour vous, amis Verseau. J'espère que ce tirage aura pu vous aider à y voir clair. Pour celles et ceux qui souhaiteraient des compléments d'infos avec moi, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. Allez, ciao, ciao!